Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Cardo. On était dans le désert et on venait de trouver la capitaine et de réussir à lui trouver de l'eau. Elle nous avait donné une mission et on va tout de suite aller la faire. Donc, la capitaine nous avait donné une mission, on va refaire le petit speech. Les voleurs des sables doivent être dans les sables jaunes. Attire-les avec quelque chose de brillant. Si tu n'as rien de brillant, essaye de trouver quelque chose dans le camp abandonné. Donc le camp abandonné qui était ici. On va remonter. Donc, c'est lié au coffre dont on s'était posé la question la dernière fois. Donc, j'ai un petit peu joué sur une partie en parallèle pour voir si mon hypothèse était fondée. Donc, c'est bien lié à des mesures angulaires. Donc, 90 pour un angle droit dans le sens horaire, et ainsi de suite, avec des sens horaires et des sens anti-horaires. Je sais pas pourquoi ça n'avait pas marché là-dedans. On va essayer de y arriver. Donc on a dit 90 dans ce sens là, moins 180 dans ce sens là, 270 dans ce sens là, moins 270 dans ce sens là et 90 dans ce sens là. Et effectivement, on a eu la petite musique. Et le coffre est ouvert. Un coffre somptueux rempli de trésors brillants. Personne ne remarquera qu'il manque une pièce. Donc maintenant on a quelque chose de brillant. Et on sait que les voleurs sont dans les sables jaunes. Attends, je vais rapprocher un petit peu mes tuiles, histoire qu'on les ait apportés. Peut-être même les rapprocher un peu plus, pour que tout soit relié. Si jamais on a besoin d'y aller, c'est pas dit, mais au moins ce sera plus pratique. Donc les sables jaunes, ben on en a à l'est, on va aller avec notre pièce dans les sables jaunes. Et pour le coup, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire pour attirer les voleurs. Ok, il y avait quelque chose qui est passé et qui est allé par. Hey ! Chose là. Ok, donc on a une autre pièce. Et la chose qu'on a vu passer, visiblement, c'est bien connu contre notre pièce. Est-ce que je peux récupérer ma pièce? Non. Je peux récupérer ça et... Un rat étourdi, au ventre soyeux. Et forcément, nous, on le gratouille. Relativement doux et plein de sable. Bof. Mais il y a quelque chose d'inattendu dans son poil. Un fragment de carte. Oh, assez de caresses pour aujourd'hui. Oh, c'est trop nul. Je voulais le caresser encore un peu. Je peux pas récupérer ma pièce. Ok, et qu'est-ce que j'ai gagné du coup? Une lentille ancienne. Ça doit être le fameux artefact de la capitaine. Ok. Donc, il paraît qu'on a eu un morceau de carte dans le poil soyeux, le poil non soyeux du coup de l'animal. On va aller voir ce qu'on a dessus. Cactus.
Ok, juste un fragment de carte classique. On va retourner voir la capitaine. Qui n'est pas par là. J'aurais pu la rapprocher, ça aurait été plus rapide. Hé, tout le monde s'est retrouvé. Parfait. L'artefact? Tu l'as retrouvé? Tu ne peux pas t'imaginer comme je te suis reconnaissante. Tu es un véritable miracle, petite sœur. Si j'ai raison, il nous suffit de mettre l'artefact en place comme ceci. Ah. Ouais, tout le monde. Haha! Tu ne pensais pas que je m'en sortirais, hein, petite? J'ai encore la pêche. Ou ce que les jeunes disent de nos jours. Et je ne pouvais tout de même pas laisser mon unique petite fille mourir de soif. Elle est peut-être ma capitaine, mais je l'aime quand même. Des écritures anciennes ornent cette porte. Elles sont presque aussi anciennes que moi. Elles parlent de la lumière. Révéler le havre sous la lumière. Quelle lumière? Bah, c'est ce qu'on vient de faire apparaître, j'imagine. Oh! As-tu vu les voleurs des sacs qui rôdent dans les parages? Ils me font froid dans le dos. Qui aurait cru que le désert fouillerait de rats? Les serpents ne sont-ils pas censés s'en charger? Hé! Hey, nous avons réussi! Cette porte est incroyable! Des années d'érosion et elle subsiste encore. Mais que signifient ces symboles? Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que j'ai un objet? Non. Il y a une petite lumière, une petite musique qui se met en place quand on est en dessous. Ok. Pas l'air de pouvoir faire grand chose. L'artefact est en place. Et maintenant, quelle est la dernière étape? Effectivement, la dernière étape. Ah! Ceci est intéressant. Qu'est-ce que je suis censé en faire? Le mettre au milieu de la porte. Non. Puisque ça s'est déplacé. Faudrait que je mette un campement par exemple. Réfléchissons. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait nous faire penser à ça? Que je suis censé mettre les morceaux de sable que j'ai eu en dessous. Pas l'impression. Est-ce que les morceaux de sable que j'ai peuvent me permettre de faire cette forme là?
Aïe, ça se colle pas, ok. Ceci est bien étrange. J'imagine que je peux pas non plus mettre ça. Est-ce que ça serait celle-là? Bah non. Réfléchissons. C'est peut-être pas une bonne idée. Ça me fait un espèce de symbole de château. Qu'est-ce qu'elles ont à me dire? L'artefact est en place et maintenant quelle est la dernière étape? Révéler le havre sous la lumière. Quelle lumière? Celle-là, elle frissonne. Le havre est-il véritablement derrière cette porte? Quel suspense! Sous la lumière. Pourquoi j'ai plus de lumière? Ah, parce que je suis plus en dessous. On sait que ça, c'était des fragments d'oasis. Les petites zones marron. Et visiblement, je peux pas coller ça. Ni ça. Donc, je peux pas coller. J'imagine que je peux pas non plus coller au-dessus. Non, au-dessus non plus. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis sûr que vous êtes en train de me hurler la solution. Et que moi je ne la vois pas. Parce que de toute façon, si je le bouge, ça se déplace avec moi. Mais peut-être que c'est le but que ça se déplace avec moi. Chose à faire. Du coup, c'est un peu compliqué. Ok, malgré l'impression qu'on en a, c'est bien défoncé. Défoncé. Essayons de mettre les sables jaunes, du coup. Comme ça. J'ai suffisamment de sable jaune. Ah voilà. C'était ça. On avait suffisamment de sable jaune pour faire apparaître le havre. L'heure est venue, mes sœurs. La porte est ouverte. Mais où est le havre? Ok, donc elle a rien de plus à nous dire. Tout a changé. Devons-nous franchir la porte? Ok. Le havre! Le havre! Je sens l'humidité dans l'air. Nous ne sommes pas loin. Ok, et effectivement, pour le coup, on ne peut pas y aller directement. Mais est-ce qu'on pourrait pas se servir de ces... Voilà. De l'ancienne oasis. Pour la voilà. Et ça y est, l'oasis nous apparaît. On va pouvoir y aller. Ah oui, ça nous TP directement dedans. Ok. Thank you.
Ok, donc on est. Ok, on est exactement là où on était. On dirait que notre eau sert également de bain aux chameaux. Je vais essayer de pas trop y penser. On a de l'eau, c'est tout ce qui compte. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des vieilles arches, des cactus. Ok. Ah oui, il va peut-être falloir que je mette des petits morceaux pour y aller. Ici, on a les chameaux qui se baignent. Parfait. Ici, on a la grand-mère. Je te suis infiniment reconnaissante. Tu as retrouvé ma petite fille, la capitaine, je veux dire, et tu l'as aidé à retrouver le Havre. En ce qui me concerne, tu es membre honoraire des chercheurs. Ah. Ok. Oula! As-tu senti cette secousse? Ça venait forcément du volcan. Si on le sent d'ici, ça veut dire qu'une sacrée éruption se prépare. Du désert à la lave, ça chauffe de plus en plus. Pas de repos pour les pas. Oh, j'ai toujours su que le Havre existait, mais j'ai tout de même du mal à en croire mes yeux. Nous n'y serions jamais arrivés sans toi. Dès que nous aurons trouvé quelques scarabées, j'enverrai un message à la tribu pour qu'elle nous rejoigne. Qu'y a-t-il ensuite sur la liste? Des toboggans. Ouais, plutôt du volcan dans, dans notre cas. Mais... est-ce que j'ai une petite... tuile. Voilà, j'ai une petite tuile disponible. Je vais profiter pour faire ça également, comme ça. Je ne vais pas faire le tour. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, du coup, c'est incroyable! On va avoir besoin d'un plus gros camp et d'un bateau! Ok. Et elle? Ça me met l'eau à la bouche! Nous n'avons même plus besoin d'un puits! Pourquoi ne pas le transformer en puits au souhait? Ça donnerait une utilité à toutes ces pièces. Bah du coup, moi j'ai pas de pièces à mettre dedans. Ma pièce! Ok. Que par les chameaux. Il n'y a pas grand chose. Bah du coup, on va aller explorer par là. Les anciens parlaient de tunnels secrets sous le Havre. Mais attention, tu pourrais très facilement t'y perdre. Des marches descendent dans l'obscurité. Veux-tu t'y aventurer? Bah on y va. C'est probablement un chemin sans retour. Alors, du coup, on se retrouve de nouveau visiblement dans la forêt. Mais pas tout à fait la forêt qu'on avait vue la dernière fois. Ah, ok, là c'est le... je me souviens plus de son nom. Le chalet compteur? Je crois que c'est ça. Ok. Donc ici, il y a des montagnes que je peux visiblement pas traverser. Ok. J'imagine. Voilà, Mémé n'est pas dans cette direction. Donc effectivement, je ne peux pas aller par là. Ici, il y a un bateau. Ok. Et du coup, les autres tuiles, ce sont celles que j'ai déjà explorées. Donc, rien ne m'empêche de faire ça. Pour être à proximité. Ah, ça valait le coup. Carto. Ça m'a inquiété de pas te voir à notre point de rendez-vous, mais tu as l'air d'avoir vécu une véritable aventure. Le conservateur m'a raconté que tu étais passé par ici en partant vers le désert. Est-ce que tu as trouvé des indices sur ta grand-mère ?
trouve, je suis désolée. Ce n'est qu'une question de temps. Elle doit te chercher avec tout autant d'ardeur que toi. Ah, toi aussi, tu as senti le sol vibrer? Je croyais que j'avais du mal à digérer mon déjeuner. Jusqu'à ce qu'un livre me tombe dessus. Ça doit être le volcan qui a fait des siennes. Les éruptions sont très impressionnantes. Le ciel se remplit d'une fumée noire parcourue de braises oranges, comme les flocons de neige brûlantes. Carto, cette fumée pourrait empêcher ta grand-mère de voler correctement. Je me demande si tu pourrais trouver un moyen de la prévenir. Ça vaut le coup d'essayer. Super, je parie qu'il y a des indices dans la salle des volcans. On s'y retrouve. Quelle impatience! Malheureusement, la salle du volcan est perdue depuis quelque temps. Le chalet est parfois imprévisible. Il arrive que certaines pièces disparaissent sans prévenir. J'aimerais tant retourner un jour. Mal formulé cette phrase. J'aimerais tant retourner un jour au dernier étage. Ah, ne fais pas attention à moi. Un vieil homme qui rêve à voix haute. Enfin bref, je peux pas vraiment t'aider à trouver la salle du volcan. Cela dit, je trouve généralement ce que je cherche après avoir lu assez de livres. Quel meilleur endroit où chercher? La petite cartographe qui cherchait sa grand-mère dans le désert n'avait trouvé que poussière. Mais une nouvelle question brûlante se posa désormais. Comment prévenir sa grand-mère que le volcan était sur le point d'entrer en éruption? Mais d'abord, il fallait le moyen de s'y rendre. Ok, on n'a que la possibilité de relire le livre. Ok. Donc, on a 4 pièces. Donc ici, on a Aurore au chalet compteur. Ce chalet est maudit, je vous le dis. En explorant les couloirs labyrinthiques, je suis tombé sur un point d'interrogation inquiétant. Là, on aurait dû trouver le numéro de l'étage. Paniqué, je me suis précipité dans l'escalier où je me suis rendu compte que les étages précédents et suivants n'étaient pas numérotés non plus. J'ai découvert à ces étages inconnus des pièces que je n'avais jamais vues et j'ai fui absolument terrifié. Je ne remettrai jamais les pieds dans cet endroit maudit. Intéressant. Ça, c'est un livre qu'on a déjà lu. Probablement la fois précédente. Les chercheuses d'eau. Les chercheuses d'eau jouissaient d'un grand respect au sein de leur tribu, car elles étaient responsables de la survie de leur peuple. Ce vaillant groupe s'aventurait parfois très loin de son foyer pour trouver de nouvelles sources d'eau. Pour les aider dans leurs recherches, leur sens était grandement accoutumé aux conditions du désert. Lorsqu'elles trouvaient une nouvelle source d'eau, la tribu entière les rejoignait à dos de chameau. Ok. Et ici, pas de nouveau livre. Par contre, on nous dit que... il y a visiblement moyen... Vu qu'il clignote, c'est cet indice-là. Le fait que les étages ne soient pas numérotés. Comment je peux faire ça? En fait, c'est le fait de poser ce rez-de-chaussée qui fait que... voilà. Je vais peut-être poser un peu loin, mais c'est l'idée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Yennor, le 255e gardien. Avec son vert compagnon et sa grosse barbe touffue, le messager Yennor fut choisi comme 255e gardien. Yennor et son vert parcoururent le bois sauvage des décennies durant, deux amis loyaux, grands protecteurs de la mer. Hélas, un moineau intrépide s'empara un jour du vert qui se reposait sur l'épaule de Yennor,
laissant le gardien seul parmi les arbres pour le reste de sa garde. Cependant, les innombrables descendants du Ver de Yennor continuent à ce jour de ramper sous nos pieds, se nourrissant de la terre et toujours prêts à apporter leur aide. Ok, donc ça serait ça le ver qu'on a récolté dans l'épisode précédent et qui serait dans notre inventaire. Ok. À mesure que la mer grandissait, ses racines se répandaient à travers la forêt et bien au-delà. Elles suivaient des chemins secrets qui menaient à des terres distantes partout dans le monde. Ces chemins cachés aux yeux de tous ne se révélaient qu'aux explorateurs les plus intrépides. Seuls les arbres savaient comment y accéder et n'étaient pas du genre bavard. Ok. Nesh, le 256e gardien. Des années avant de devenir le 256e gardien, Nesh était un petit Nesh invénéré. Nesh avait du mal à se faire des amis et passait le plus clair de son temps à explorer seul la forêt. Un après-midi fatidique, Nesh suivit le ton d'un pullulement triste et rencontra un jeune hibou pris dans un piège. Nesh libéra l'oiseau, démantela le piège et enfila une civière pour en transporter le hibou jusqu'à ce qu'il soit guéri. Depuis ce jour, Nesh et son compagnon hibou sont inséparables et veillent désormais ensemble sur la mer. Et je trouve ça mignon, cette petite histoire. Ça nous aide pas. Hop, on va aller voir sur cet étage-là. Je pense avoir trouvé quelque chose. Ok, je vais déjà lire ça. Calendrier volcanique. Une vérité brûlante ou du vent? Les vulcanologues sont en désaccord sur l'exactitude et la validité scientifique du calendrier volcanique. Les défendeurs du calendrier avancent qu'il a été un outil d'organisation essentiel pour d'innombrables générations. Ses opposants rétorquent qu'il n'est rien de plus qu'une collection de gribouillages absurdes gravés autrefois sur un mur par un vagabond perdu. Quoi qu'il en soit, les habitants du volcan semblent toujours parvenir à éviter la catastrophe, qu'ils s'y attendent ou non. Ok. Intéressant. Et du coup, qu'as-tu trouvé, Shianan? Je commençais à croire que je ne trouverais jamais la salle du volcan, et soudain, je suis tombée dessus par hasard. Quel bâtiment étrange. Enfin bref, je pense avoir trouvé quelque chose d'intéressant dans ce livre. Regarde. Le volcan est une grande destination touristique, du fait de son climat tempéré et de ses stations thermales mondialement connues. Les visiteurs pourront prendre le temps de le gravir à pied en plusieurs jours, ou espérer pouvoir chevaucher l'une des chèvres dociles qui habitent la montagne. Cependant, les chemins qui vous mèneront le plus vite au volcan sont cachés dans la forêt, si vous êtes capable de les trouver. On dirait qu'il est possible d'accéder au volcan en passant par la forêt. Je suis sûre que tu trouveras le chemin s'il existe. Personne au monde ne s'oriente mieux que toi. Oh, tu veux que je t'accompagne? J'aurais peur de te ralentir. Ça m'embête qu'on se sépare à nouveau, mais... Le temps presse, et tu trouves toujours très vite ton chemin. Vas-y sans moi, je vais rester ici et faire quelques travaux de recherche en attendant. Ok. Du coup, ça va pas rajouter de nouveaux étages. Un peu loin. Ok, donc je l'ai remis et ça m'a pas enlevé mes étages cachés. Tout simplement parce qu'ici je peux pas descendre. Il faut un escalier, c'est compliqué tout ça. C'est assez compliqué. Je vais descendre. Je vais faire ça comme ça. Voilà. As-tu trouvé la salle du volcan? Il y a quelques livres un peu chauds dans sa collection. La petite cartographe savait où se rendre ensuite. Elle trouverait la route du volcan par un chemin secret caché dans la forêt. Elle salua ses amis à nouveau avant de repartir en direction du bois sauvage.
Rien ni personne ne pourrait l'empêcher de retrouver sa grand-mère. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Car moi, le jeu me plaît toujours autant. On va essayer de retrouver Mémé. Et on fera ça lors du prochain épisode. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé. Et bye bye!